Salut tout le monde, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Skyblock de Kadarm. Kadarm Play, pour être plus précis, on va dire. Faut que je m'habitue à dire ce nom. J'ai bloqué compte. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Alors, faut préciser que j'ai pas mal farmé la cobble, hein, parce que. Voilà, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fermé la cobble, donc j'ai fait un petit coffre avec pas mal de cobble. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a les arbres qui ont poussé que j'ai coupés. Et on va essayer de faire une première chose. Vu qu'on a du sapin, on va planter 4 sapins en espérant pouvoir les voir pousser avant la fin de ce petit épisode. Sera le petit fil rouge de cet épisode. Donc la canne à sucre a poussé légèrement. J'ai déplacé la canne à sucre et enlevé la terre ici pour récupérer de la terre et la placer à côté. Les pastèques et les citrouilles ont poussé et c'est parfait parce que je commence à avoir faim. In-game, bien sûr, IRL, ça va. Et voilà, j'ai ma petite pastèque. Et voilà. Alors, le truc, c'est que la bouffe, quand on débute, c'est la pastèque, hein, c'est clairement la pastèque. Donc là, les petits cactus. Alors il y en a qui ont peut-être dû se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas pu m'en faire et je n'ai pas pris des seaux d'eau pour bouger la source de lave et la source d'eau. Alors je comptais le faire, mais j'espérais avoir plus de ressources à cuire. Alors du coup, je vais le faire maintenant parce que j'ai un peu plus de ressources à cuire. Sachant qu'un charbon ou un charbon de bois, ou charcoal si vous préférez, cuit 8 objets, ben, je préférerais attendre un petit peu pour pas gâcher trop de charcoal. Donc là, je vais cuire donc les 3 de fer, puis après les 3 de cactus, même si c'est pas, ça presse pas de cuire ces cactus-là, mais pour le moment, j'en ai pas plus l'utilité que ça, et j'en aurai besoin pour faire des challenges qu'on va regarder justement. Et je vais voir, je vais cuire ce sable-là pour récupérer le challenge du sable. Donc hop, c'est bon, on va cuire le sable. Hop, petit succès. Hop, hop, le saut je le ferai juste après. Hein. Donc on a notre petit bloc de verre et on va lancer la cuisson de ces 3 cactus. Et normalement, je peux laisser ça, ça va brûler tout ce qui reste. Donc je vais replacer une petite ressource que j'avais récupérée. Alors, la chose à faire, à tout le temps faire, c'est à replacer tout le temps. J'ai pris un peu de cactus entre... un peu de cactus, un peu de canne à sucre entre temps. Je sais pas pourquoi je dis cactus. Et les arbres m'ont donné quelques pousses quand même tout à l'heure. Donc on va replacer ça. Et on va faire la première quête, qui est la quête du verre. Donc, slash C, ou slash SS. CP, mais ça va plus vite, slash C. On a accès directement au challenge. Donc là, au vitrier, faire un bloc de fer, de verre, et du coup, pouf, j'ai mon petit bloc de verre qui a été validé. Et 1 sur 2, vous voyez, et j'ai reçu le petit bloc de glace. Alors évitez d'avoir votre inventaire plein quand vous faites des quêtes. Le loot se met au sol, mais voilà, le loot va tombe vite au sol, et des fois, bah, vous pouvez le manquer, ça c'est un peu bête, hein. Du coup, hop, hop, je fais mon petit saut et je vais aller récupérer l'eau qu'il y a là-haut. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais faire une petite source d'eau infinie. Hein, ça coûte pas cher. Du coup, on va faire ça en demi-dalle. Alors, où est-ce que je vais mettre ma source d'eau infinie? Il n'y a pas trop d'obligation, on va dire, hein, donc je vais la faire ici. Ouais, c'était ça que je voulais faire aussi. Oups, maintenant. Tac. Et voilà. Alors, toujours casser la glace à la main parce que avec une pioche, selon la pioche, ça peut la détruire et pas la casser. Hein, donc, et la transformer en eau.
Il y a certaines pioches, ça marche aussi, je dis pas le contraire. Certains objets, pas un objet, certains objets ça fonctionne, mais prenez pas le risque. En général, ce serait bête de foirer sa source d'eau infinie. Voilà, j'ai une source d'eau infinie maintenant. Je pourrais faire des choses pour mettre un peu d'eau un peu partout. En parlant de ça, du coup, j'ai plus d'eau ici. Vite avant. Parce que du coup, je crois que j'ai perdu. Ouais. J'ai perdu une canne à sucre, parce que j'ai pas fait gaffe, j'avais oublié. Du coup la canne à sucre est tombée, elle a peut-être glitché en dessous. Donc on l'a pas vu, mais voilà, c'est un exemple de des fois ça glitch. Non, celui-là. Donc maintenant on va faire le blé. Très important, on va croiser les doigts. On a 3 bonnes mille, un bel espace de verdure. Et hop. Ah, une graine de blé. Voilà, déjà, c'est déjà bien. Ce sera quand même du kit ou double avec une seule. Deux, c'est déjà mieux. On va prier pour en avoir un peu plus quand même. Voilà, quelques fleurs. Bon, les fleurs, ça n'a pas une utilité de ouf pour le moment, mais vaut mieux les garder. Ça fait des colorants pour plus tard, ça peut être utile. Alors, maintenant que j'ai mes graines de blé, va vérifier les challenges, justement. Hein, cet épisode, on va commencer les challenges. Du coup, je pense pas que je puisse faire. Assez de papier. Ça me donne du cuir, mais ça n'a pas d'intérêt pour le moment. S'il faut des graines, celui-là, il faudra faire la pièce champignon. On va vérifier le niveau de l'île. Ça mange pas de pain. Donc, IS level. Pour actualiser le niveau de l'île, j'ai même baissé en niveau d'île, c'est dire. Alors, j'ai baissé parce que je pense que le moment où j'ai fait le IS level la dernière fois, il devait y avoir. Ah oui. Mais là, on est en biome froid du coup. Si je mets rien au-dessus ou si je mets pas de lumière autour, l'eau se transforme en glace et c'est pas super super. Donc je disais, probablement il y avait un arbre. Donc les arbres génèrent des points, mais dès qu'on les coupe, ils enlèvent les points qu'ils ont générés. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. On a besoin du bois, mais en même temps, bah, ça nous enlève des levels en quelque sorte. Mais bon, ça nous donne des levels et ça nous enlève les mêmes nombres de levels, donc c'est pas un problème en soi. Vu que le bois après on le réutilise, du coup ça pose aucun problème. Mais je ne suis pas sûr de vous avoir expliqué les histoires de levels, je viens de me rendre compte. Mémoire de poulpe, du coup, je ne me rappelle plus. Donc du coup on va parler des histoires de levels, tant qu'à faire, hein, en même temps. C'est important. Donc les histoires de level, en fait, chaque bloc qu'on utilise fait des points. Il faut un certain nombre de points pour monter d'un level. C'est environ 100 points par level. Et quand vous avez 100 points, ben, vous pouvez monter d'un level. Et dès que vous avez fini, dès que vous avez assez de points pour monter de level, votre île monte de level, et etc. etc. Le nombre de points par bloc est différent selon le nombre, selon le bloc, on va dire. Le listing des points par bloc est listé sur le site. Donc, le lien est dans la description. Beaucoup d'infos sont sur le site, hein, je précise. Ah bah tiens, bah voilà, on a un magnifique sapin. Je vais dire arbre de sapin, ça ne dit pas trop. Magnifique sapin qui a grandi. Donc du coup, je disais. Donc du coup les points sont sur le site et selon les blocs vous avez plus ou moins de points qui sont attribués. Donc là j'avais fait de cette manière-là parce que bon, bah, il y avait pas énormément de possibilités, mais là on va le faire différemment, on va le faire sur la longueur ici, le champ. Donc on va faire des dalles. Paf. Ça je vais d'aller en dessous à chaque fois. J'ai 14 de terre, donc je ne pourrais pas faire un truc énormissime.
Donc on va faire un nouveau champ. Donc selon les blocs que vous posez, vous gagnez plus ou moins de points. Bien sûr, il y a des blocs clairement sont bien plus intéressants que d'autres pour faire des points. Ça, on va pas se le cacher. Certains sont pas très intéressants, certains le sont bien plus que d'autres. Ça, je vous laisse aller vérifier sur le site quand vous ferez votre propre île. Donc l'intérêt justement de ce système-là, c'est que du coup, je vais en garder un de côté, c'est d'avoir la possibilité de savoir quel point, quel bloc donne combien de points et de pouvoir jouer avec, entre guillemets. Là, je réfléchis à. Ouais, je vais faire une méthode qui n'est pas énormissime, mais je vais planter deux fois les citrouilles et les pastèques pour avoir un peu plus de citrouilles et de pastèques. Alors, en général, on est d'accord que les citrouilles, c'est pas un truc de ouf de gudin, hein, mais les citrouilles, on en a besoin. Si je me trompe pas, là, c'est un plant de citrouille. Les citrouilles, on en a besoin pour faire certaines quêtes. Ah non, c'est pas le blé que je voulais mettre ici. Et du coup, c'est important d'en faire quelques-unes. Là, ici, 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 et ici, je vais mettre du blé. Alors, je suis pas obligé, mais je vais faire une source d'infini. Du coup, je me perds en digression, bien sûr. Donc, alors vous allez voir avec le temps que je me perds très souvent en digression. Donc, là j'ai tout rempli. Donc je disais, selon le nombre de points que vous allez faire, vous aurez plus ou moins de niveau d'île, et donc du coup, un intérêt plus ou moins grand de faire telle ou telle chose. Enfin, de poser tel ou tel bloc, je dirais plutôt. Qui va grandir au fur et à mesure. Donc, vu qu'au moment j'ai pas assez de ressources, hein, comme celle-là, je vais utiliser pour mettre de la canne à sucre. Pour faire le challenge du papier. Du coup, j'aurai plus de canne à sucre ici et je pourrai faire le challenge du papier. Le challenge du papier il reste assez intéressant. Ici, je vais récupérer. De l'eau que je vais poser ici et je vais aller récupérer la lave. Est-ce que je peux la récupérer d'en dessous? Parfait. On va créer entre guillemets une nouvelle usine à cobble. Alors j'ai pas fait de plan ni quoi que ce soit. Alors, me dire pourquoi utiliser une autre usine à cobble, celle-là marche très bien, même s'il y a quelques pertes, hein, ça reste minime, hein, on va dire. Bah, on va passer sur une version 2.0 entre guillemets. Là c'était la 1.0 hein, façon vite fait hein, quelque sorte. Et on va passer sur une version améliorée plutôt. Coup, je vais le faire sur le coin. Alors pourquoi sur le coin? Vous comprendrez plus probablement sur la suite par rapport à ce que je compte faire dans cette zone-là. Ah oui, vous noterez, j'en parle pas depuis tout à l'heure, mais quand je formais la cobble, je ne sais pas. Où est passée la vache? Alors, où elle s'est noyée dans la zone d'eau, parce que plusieurs fois j'ai dû la repousser de la zone d'eau. Où elle est descendue, puis au bout d'un moment, ben, elle est tombée. Où elle s'est suicidée. Ben, Daisy, hein, désolé, hein, Daisy est morte. Adieu Daisy. On renommera peut-être une vache Daisy, Daisy 2, juste pour le délire. Mais Daisy est morte, malheureusement. Alors, je vais faire. Ah, cherchez pas ici du build graphiquement de ouf super beau. Hein. On va pas faire des trucs super beaux au début. Hein. Après, on essaiera de faire des builds un peu plus jolis, on va dire. Mais pour le moment, c'est pas l'intérêt primordial de faire des builds très jolis. Alors, tout le monde, du coup, j'ai fait une ellipse parce que je me suis foiré comme une belle que prévu, on va dire. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit détail, c'est que je n'avais pas encore de fer.
Oui, parce que j'ai foiré un petit bloc de fer au début et j'avais pas le bloc de fer qu'il me fallait pour faire la suite de la machine. Oui, c'est très bête de ma part et du coup je suis mort bêtement. Je mettrai probablement une des deux morts bêtes que je me suis tapé. Si vous aimez me voir souffrir, bah, je vous invite à aller voir la fin de la vidéo et de voir le truc. Donc là je rebouchais, donc là il y a la lave qui va couler. Je l'ai mis sur le bloc. Je rebouchais avant de le lire. Sur ce bloc-là, j'ai mis une demi-dalle ici, c'est pas une obligation, hein, juste en dessous. Mais ça me permet de voir quand même qu'il y a toujours la lave. Et voilà. Pour l'eau, de ce côté-là, je l'ai fait de manière, j'ai fait un petit escalier. C'est pas obligatoire non plus. Mais ça, ce petit escalier va faire que quand le bloc va être cassé, s'il tombe sur la droite, bah du coup il peut être récupéré. Du coup je vais laisser ça ouvert en fin de compte. Je vais fermer. Bon, alors côté style, c'est sûr que pas terrible, terrible, hein, mais bon. Il n'y a pas un design de ouf, hein. C'est pas vraiment l'intérêt. L'épisode sera plus court ou plus long, je ne sais pas trop. Du coup, vu que je n'ai pas regardé à quel moment je vais. Enfin, je ne sais pas moi-même à quel moment je vais couper. Je ferai ça après, donc je verrai plus tard. Donc après, il suffit juste de se positionner là et de tapoter. Alors pourquoi j'ai mis un espace? Alors c'est deux dalles en fait, une demi-dalle ici. Enfin, il dit toujours demi-dalle, il faut que j'arrête de dire demi-dalle. C'est une dalle en bas et une dalle sur le bloc du haut en haut. Comme ça, on peut viser sans aucun problème. Il y a quand même un petit, entre guillemets, problème, c'est qu'il faudra que. Je pense que je vais le faire là. Refermer légèrement pour éviter qu'il y ait quand même trop d'items qui glitchent. Essayez de pas tomber bêtement, hein. Pour un troisième mort, ça serait un peu bête. Voilà, comme ça, on aura moins de chance qu'il y ait des items qui tombent. Alors, le taux de perte est quasiment le même que pour l'autre, hein. C'est pareil, une usine beaucoup plus performante que l'autre, hein. Je vais pas vous mentir, hein. C'est une usine standard, hein, de cobble, mais elle permet de récupérer un peu plus et à ce moment-là comme il y a le petit courant d'eau, de récupérer de la cobble qui pourrait potentiellement tomber ailleurs. Comme ça, on n'a plus besoin du tout de bouger, il n'y a pas de perte de ce côté-là. Vous voyez, là, il y a une qui est cramée. Voilà. Bon, après, on va pas passer trois plombes sur l'usine en elle-même. Bon, entre-temps, la canne à sucre a poussé, tant mieux. Je vais la récolter tout à l'heure, donc elle a repoussé. Ce sera très utile pour la quête de la prochaine fois. Alors je vais faire une petite hache et je vais finir cet épisode tranquillou avec une petite découpe de l'arbre. C'était un petit tout petit épisode hein, avec un beau foirage de ma part. J'ai rajouté, je pense sûrement ma mort stupide juste après. Là, je vous montre ma manière de couper un arbre de 4 blocs. Montre au colimaçon. Bon, il y a des fois quelques petits lags, on va dire, de serveur. Et les blocs ne se cassent pas parfaitement. Alors c'est pas que le serveur lag véritablement, c'est qu'il y a quelques millisecondes et des fois si on bouge, il comptabilise que le bois n'a pas été coupé. Je pense que l'arbre est assez haut. Ah, peut-être pas. Faut bien voir. Voilà. Donc vous voyez, ce genre de choses, là je le fais dans cet épisode-là, mais à la longue, je ne montrerai pas que je farme le bois. Je le ferai en annexe. La cobble aussi, hein, donc ce sera pareil. Mais vous voyez le principe, hein, je pense que couper des arbres dans Minecraft, c'est un peu la base. Hein, bon, les grands arbres sont un peu relous, mais ils rapportent beaucoup de bois, donc c'est assez intéressant. Sur un seul arbre, on a pas mal de bois.
Justement, là, on va comptabiliser sur cet arbre-là qui est pas non plus immense, immense. Hein. Il est assez grand, mais sans être immense, immense. Combien de bois on va cumuler? Et on se laissera sur ce cumul de combien de bois on a cumulé. Voilà. Le même principe de quand on mine sous ses pieds. Hein. On se met au milieu des quatre. On descend comme ça. Voilà. Très pratique quand on coupe des très grands arbres. Bon, vous aurez vu si vous avez l'œil que à un moment je laissais un petit petite bûche d'arbre qui a des pops et du coup j'ai perdu une petite bûche d'arbre, donc on va la comptabiliser quand même, hein, pour principe. Si j'avais. Oh là. Cliquez trop. Si j'avais récupéré la petite bûche à la fin, on aurait un stack et 16 de bûches de bois. Bon, là j'ai que 2 pouces. Je replanterai, je vais attendre que ça dépop. Et je replanterai. Voilà, on a le blé qui a poussé, tout ça, tout ça. Parfait, 4. Même 6. Hop. Voilà. Mais on va se quitter sur cet épisode-là. Prochain épisode, bon, d'ici le prochain épisode, j'aurai farmé un peu de bois, j'aurai commencé à farmer ces ressources-là. Je vais enlever cette sculpture magnifique qui ne sert strictement à rien maintenant et je vais commencer à faire des choses hors caméra et on commencera à avoir une île un peu plus fournie. On rentrera enfin dans des épisodes un peu plus intéressants, on va dire. Je vous laisse, je vous dis. Bye bye, je vous laisse clairement sur cette magnifique mare. Ciao ciao. Si elle se crame tous, ça va pas trop le faire. C'est pas bon signe ça. Oups. Je vais crever encore une fois, et je vais crever. Magnifique. Bon ben voilà, première mort dans une vidéo.